Salut à tous, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA 5 Online pour vous présenter tout simplement une magnifique tenue modée sans codage, rouge et noir. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me fera extrêmement plaisir. Une fois ceci dit, revenons tout simplement à la tenue. Pour cette tenue la team, il va vous falloir le jogger noir. Du coup, je vous laisse deux vidéos qui expliquent comment faire pour avoir le jogger noir en description la team. N'hésitez pas à aller checker cela. Du coup, une fois avoir fait la manipulation pour avoir le jogger noir la team, vous allez ensuite vous rendre dans une session sur invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs. Une fois ceci fait, vous allez vous rendre au niveau d'un magasin de vêtements le plus proche de vous. Pour ma part, c'est celle-là. Une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt pour la tenue du coup. Let's go, c'est parti la team. Allez, hop, une fois prêt comme moi, une fois avoir fait la manipulation pour le jogger noir, vous allez vous diriger vers les hauts flèches de droite. Ensuite, vous allez dans la catégorie des t-shirts et dans la catégorie des t-shirts la team. Vous allez descendre tout en bas, vous allez prendre tout simplement le t-shirt V. En rouge tout simplement, celle-là 64 sur 78. Une fois avoir pris ce t-shirt, vous allez rester dans les hauts. Vous allez dans la catégorie des gilets de braquage et dans la catégorie des gilets de braquage, vous allez descendre tout en bas. Vous allez acheter le gilet tactique SAP. Du coup, ça sera le 25 sur 39. Une fois ceci acheté, vous allez ensuite faire rond. Et vous allez vous diriger vers les chaussures. Vous allez ensuite faire flèche de droite. Vous allez dans la catégorie des baskets et vous allez prendre les baskets Mountain Uni Cerise 5 sur 37. Une fois ceci fait, on va sauvegarder la tenue vers la caissière. Et une fois avoir terminé, on va rester sur les vêtements. On va aller dans la catégorie des tenues braquage combinaison. On va prendre celle-là. Du coup, une fois avoir pris la tenue, vous allez vous diriger ensuite vers la longue vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé à la longue vue, vous allez courir et spammer flèche de droite. Vous allez ensuite maintenir pavé tactile longtemps. Ensuite, vous allez sur style et mettre la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de vêtements. Vous allez vous éloigner et vous allez avoir tout simplement le masque bugué sur la tenue. Vous allez ensuite sauvegarder la tenue au niveau du magasin de masque. Et une fois ceci terminé, vous allez faire une petite manipulation. Vous allez faire option en ligne, activité, jeu, activité, créé par Star, mission, vous allez lancer un travail de titan. Vous allez confirmer les paramètres et lancer en solo l'activité. Et une fois dans l'activité, vous allez voir que vous n'allez plus avoir le gilet de braquage comme moi la team. Nickel, une fois ceci fait, vous allez vous diriger tout simplement à la munition le plus proche de vous. Une fois arrivé à la munition, vous allez entrer et vous allez vous diriger vers les vêtements. Vous allez faire flèche de droite et sauvegarder la tenue au premier emplacement ou au dernier emplacement. Très important. Une fois avoir fait cela, vous allez mettre une tenue standard, peu importe la tenue. Pour ma part, c'est celle-là. Une fois avoir mis une tenue standard, la team, vous allez sortir de la munition et vous allez quitter l'activité à travers le téléphone. Vous allez ensuite avoir un chargement et vous allez tout simplement spawn à session. Une fois avoir spawn, vous allez entrer de nouveau à la munition. Vous allez vous diriger vers les hauts. Vous allez faire flèche de droite et vous allez dans la catégorie des gilets de gilets. Et vous allez prendre le gilet noir. Ensuite, vous allez dans la catégorie des gilets des chemises pour gilets. Et là, vous allez prendre la chemise dandy noire. Ensuite, vous allez retirer tout accessoire que vous avez sur vous. Pour ma part, j'ai des lunettes. Vous pouvez retirer tout accessoire que vous avez sur vous. Masque. Lunettes, casquette. Ensuite, vous allez lancer l'activité repo. Option en ligne, activité, jeu, activité créé par Rostar. Versus, vous allez lancer le versus repo. Dans les paramètres de l'activité, vous allez mettre vêtements possédés, très important, et vous allez inviter un ami. Une fois que l'ami aura rejoint, vous allez spawn ici. Vous allez placer votre curseur sur tenue possédée. Vous allez faire une fois flèche de droite et boum, vous allez avoir la tenue modée sur vous. Une fois ceci fait, vous allez vous mettre prêt et patienter que l'activité se lance. Du coup, on patiente. Une fois dans l'activité, vous allez tout simplement faire pavé tactile, style accessoire. Une fois flèche de gauche sur matériel et vous allez avoir l'oreillette.
Vous allez ensuite quitter l'activité à travers le téléphone. Vous allez ensuite avoir un chargement et vous allez spawn avec la tenue en session. Vous allez vous rediriger tout simplement à la munition et sauvegarder la tenue dans un emplacement. Et une fois avoir terminé de sauvegarder la tenue, vous allez tout simplement vous diriger au magasin de masques pour continuer la suite. Du coup, on se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé au magasin de masques, on va se diriger vers les chapeaux, flèches de droite, casque pare-balles. On va mettre le pare-balles noir. Une fois ceci fait, vous allez vous diriger vers les masques, flèches de droite. Vous allez dans la catégorie des braquages du Diamond Casino. Et là, vous allez descendre tout en bas. Vous allez prendre la cagoule cuir ocre brun 49-104. Ensuite, vous allez sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois ceci fait, on va se diriger vers la longue vue pour faire le bug des casques. Une fois arrivé à la longue vue, on va courir vers la longue vue et spammer flèche de droite. Vous allez maintenir pavé tactile longtemps, vous allez sur style, accessoires, vous allez sur lunettes et vous allez mettre les lunettes hors la loi au rouge. Vous allez l'acheter au magasin de vêtements, ensuite vous allez faire le bug des casques comme moi la team et vous allez mettre les lunettes hors la loi rouge tout simplement. Une fois avoir fait cela, vous allez vous éloigner et vous allez avoir les lunettes buggées avec votre cagoule et votre casque pare-balles. Vous aurez juste à vous rendre au magasin de vêtements. Ensuite, vous allez vous diriger vers les accessoires. Vous allez dans la catégorie des gants et vous allez acheter tout simplement les renforcés noirs. Une fois ceci acheté, vous allez tout simplement aller dans la catégorie des écharpes et là vous allez mettre l'écharpe noire à franges noires 2/16. Une fois ceci mis la team, vous allez tout simplement devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement. Et une fois avoir fait cela, vous allez vous rendre tout simplement à la munition. Dans la catégorie des parachutes, vous allez acheter le sac harnais combat noir. Une fois ceci fait, vous avez tout simplement réussi à faire la tenue modée sans codage, noir et rouge. Du coup, j'espère que cette tenue vous aura plu. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi, je vous laisse sur ces images. C'était Aquatex. Allez, go la team. À la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.